Salut les amis, ce soir nous allons écouter l'histoire intitulée Une souris imprudente. Alors la souris et la chatte étaient de grandes amies. La chatte a décidé ce jour-là d'aller déposer les chatons chez la souris. La souris elle est restée avec les chatons sans problème. Puis finalement, les chatons se sont mis à pleurer, à miauler. Et finalement, la souris elle les a calmés tranquillement en chantant « Wah, 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 et moi là où il est, wah, 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 wah. » Et puis finalement, les chatons se sont calmés. Puis après, ils se sont mis à pleurer. Puis tout à coup, en tout cas, la souris a vu le renard rentrer. Il a dit, oh, finalement, le renard est là. Et le renard a dit, non, je suis venu pour t'aider parce qu'il y a les chatons qui sont en train de pleurer. Et puis finalement, c'est le serpent qui entre qui dit, je suis venu pour t'aider parce que maintenant, il y a les chatons qui sont en train de pleurer. Finalement, la souris a dit, ils sont très gentils. En tout cas, ils sont venus m'aider, c'est gentil. Puis finalement, la souris s'est retirée un instant et c'était le calme absolu. La souris revient après un instant, se rend compte que le renard est rassasié, que le serpent est rassasié. Elle a tout compris, toute malheureuse. Alors finalement, dit, quand vous avez mangé les chatons, et puis le renard lui a dit, mais écoute, il ne faut pas être aussi naïf que ça, souris, tu ne peux pas demander à un renard de veiller sur les chatons, c'est comme si tu demandais à un chien de veiller sur un os, ça ne se fait pas du tout. Le serpent, lui, il a renchéri pour dire, je suis d'accord avec le renard, tu ne peux pas demander à un serpent de veiller sur des chatons, c'est comme si tu demandais vraiment à un chien de veiller sur un os. Ils se sont retirés un à un. Le renard est parti, donc, et puis c'était le serpent. Plus tard, la chatte arrive, toute heureuse. Miaou, miaou, miaou. Personne ne miaulait en retour. S'est rendu compte que les petits n'étaient plus là. Elle était toute furieuse et la souris, elle, s'est tirée. Et finalement, la chatte est allée parler aux autres chats pour leur dire ce qui s'est passé. Et depuis ce jour-là, les chats chassent les souris. Voilà la fin de notre histoire. Donc, c'est la souris, une souris imprudente. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir!